C'est intéressant. On va fabriquer un avion, bien sûr. Ça décolle pas, ça décolle pas. Là, ça décolle. Et pourquoi il décolle pas? C'est pareil. Un avion est un avion. Alors, déjà il y a un distributeur, ça c'est très bien. On va l'utiliser, voir ce qu'il y a dedans quand même. C'est où? Ah, des convoyeurs. Ah, un glisseur. Projecteur. Très bien. Alors, on va voir s'il faut aller chercher. Parfait. En fait, je récupère mon avion. Tout simplement. Ouais, je vais juste récupérer mon avion, moi. C'est vrai, je m'en fous.
Oh la vache. Il est parti où mon avion? Mon avion a foutu le camp. Ah oui d'accord. Au goût. Ciao. Bon, elle est où la truc? Elle est là. C'est pas grave. On va fabriquer un meilleur avion que les avions qu'on faisait avant. C'est pas vraiment un avion d'ailleurs, c'est plus une plateforme de vol. Pas où je tombe. Alors on y va avec ça. C'est pas dans le bon sens. Voilà, là on peut y aller. C'est une voie. Eh, c'est un vaisseau, hein. Ça vole. C'est pas grand chose, mais c'est à moi. Hein. On va y arriver, on va y arriver. On va voir le sanctuaire, comme ça on se casse et puis c'est bon. Après on va chez les Gerudo, hein, je vous le dis. Non, après on va à Cocorico. On n'est pas encore allé. C'est une bénédiction de Raoul. Je vous le dis. Je vous spoil. Voilà. C'est la bénédiction de Raoul. Putain, j'ai deviné quoi. C'est nul. Enfin, c'est nul. Je sais même pas comment s'en sert. Si, aux grandes fées, j'avoue.
Bon là, il faut vraiment qu'on trouve une statuette de la Cilia par contre, parce que j'ai genre deux cœurs en attente. C'est chiant quand même. Allez, go. Voilà, bon. On va trouver. Il est gelé? Non, il est blanc. Il est mort surtout. Et hop, t'es mort. Oh, nice! Ça c'est bien. On va essayer de choper l'élan pour aller plus vite. Ouais, mais c'est où? M'en fous. Mais c'est où? Mais lâche-moi! C'est là! Putain! Alléluia! En bas sud. C'est ici. Apprends à tenter un bluff. C'est bon, on arrive dans les passages croustillants. Ganon ! Enfin. Tu es à moi à présent. Ah mais c'est ça la cinquième pierre qu'on doit choper. La puissance grandit en moi. Oh le drama.
Il me faut de l'eau. Il a la même barbe que moi, le mec. Il est devenu énorme et sec. Boum, boum. C'est un Saiyan. Soupa Saiyajin. C'est Akuma. La puissance. C'est un roux. Non, je déconne. Je te nique. Sonia. Tu arrives trop tard, Raoul. Tu le gardais jalousement, n'est-ce pas? Il t'était réservé à toi et au tien. Mais plus maintenant. Le pouvoir des dieux est à moi désormais. Regarde ta femme. Elle a payé le prix de ton arrogance sans bornes. Tu as commis l'erreur de vouloir me soumettre. Et elle te coûtera bien plus que tu l'imagines. Garanda ! Votre Majesté ! La reine a besoin de vous. Il a un troisième œil. Je me disais aussi. Ouais, moi aussi. Mais parce qu'il est tout le temps fermé, son troisième œil. Rire maléfique.exe. La toute puissance. Oh, 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 oh. Il faut en débloquer un truc. Hein. Je vais récupérer les 7 boules de cristal et détruire le monde. C'est Freezer le mec. Oh putain. Des flashbacks de fou. Ah, il nous en manque quand même. On a durable. Eh non, mais 4. Attends, mes frères. Il manque durable là. Oh. Il nous en manque. Que là, il nous en manque que 3. Alors. On retourne là. Parce que moi je sais exactement le chemin que je veux faire. Alors, changeons-nous déjà, parce que cette tenue pour ici, c'est complètement débile. Voilà. On se met dans des vêtements un peu plus comfy. Alors, on va aller sur ça, et après, ce qu'on va faire, en fait, c'est... Hop là, aller jusqu'à la tour d'en face. En parabole, j'aurais pu parler. Ah, mais attends. Wouhou. Oh non, c'est relou, fabriqué.
C'est vraiment trop cool ça. Le fait qu'au-dessus des nuages. Ah, c'est propre. Au-dessus des nuages, il n'y a pas de pluie. Je trouve ça trop cool aussi. Ok. Ah, donc on est là? Ah oui, d'accord. Ah ouais. Bah go. Hein. Ah ouais, mais c'est une paye. Ce sera plus simple là-bas, je pense. Je sais exactement ce qu'on va faire. Oh oui, ça c'est... Oh, ça vous savez ce que ça veut dire, ça. Oui. Oh, vous le voyez, il est là. Tu veux quoi toi? Oh, y a tout ce qu'il faut ici. De fou. Thank you.
Allez, Taïo. C'est de l'eau à gauche. Les simulateurs et l'édition, mais carrément. Ouais, j'en étais sûr, ça. Ah, j'en étais sûr! Même pas une demi-seconde, il me laisse à réagir. Ça m'énerve! Y'a rien qui tombe de ce truc. Putain, quel dommage. Tsuguze. Il y a même pas de... de relais ni rien en fait. C'est relou. Mais c'est quoi ce village? N'oublie pas, si on me dit pas de pas y aller, moi j'y vais. Hein. Mais c'est Cocorico ça! Ah non, c'est l'autre village! Putain, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Herbaf? Et limite. Herbaf, c'est un autre endroit, je suis con. C'est moi, wesh. Qu'est-ce que tu vas faire ici à cette heure-ci? On n'a rien de valeur au village à part nos légumes et nos coutiers. Tu ne gagneras rien de nous attaquer, je t'assure. Une seconde, il en a rien à faire. En fait, il a même plutôt l'air sympa.
Tiens, si tu veux, je te donne ça. Oh, mais qu'est-ce qui me prend? Voilà que je veux de mon précieux œuf. Bon, oublie tout ça si tu veux bien. Très bien. Oh, tu es du genre obéissant alors? C'est vraiment pas marrant. Tu parles d'une distraction? Mais normalement, j'ai ma maison ici. Ça, c'est ma maison. Non? Ou alors je me rappelle mal. Mais ça c'est chez moi. D'accord. Je vais pas chez les gens là. Ça c'est ma, c'est bien ma maison. De mes souvenirs, ici c'est ma maison. Donc, bon. Il y a personne. Et normalement ici il y a le teinturier. J'ai déjà dit 1000 fois, je ne peux pas faire rentrer 3 clients en même temps. Quoi? On s'est donné toute la peine de venir ici et on peut même pas rentrer? Et moi qui voulais voir la dernière collègue de la célébrissime Gouttier. J'avais tellement hâte, il paraît qu'ils sont vraiment surpassés cette fois chez Gouttier. Je suis terriblement navré, il ne me reste plus qu'une place. Une place? Il ne m'en faut plus en réalité. Attends, quoi? Tu vas quand même pas y aller sans nous? Mais non, bien sûr, je plaisante. Tant pis, on reviendra une autre fois. D'accord, et puis on peut toujours aller passer du temps dans la teinturerie du village. Et tant qu'on y est, on pourrait aussi aller faire un tour à la ferme. Ouais, il paraît que là-bas, il y a un laboratoire qui étudie des antiquités. Faut aller voir ça plus près. Oui, mais il y a le laboratoire de Punin qui est là normalement. Pour poney comme on est, c'est le moment de se montrer partout où on peut. Ouf, ils ont fini par lâcher la ferme. Oh là là, désolé pour l'attente. Toi aussi, tu vas avoir la dernière collection de Gouttier? Sophora et Gouttier, bien évidemment. Tu peux entrer, il nous reste justement une place, une seule. Vas-y, je t'en prie, Gouttier n'attend personne. Mais attention, ce n'est encore qu'une exposition, on ne voit rien du tout. Je te dis ça pour que tu ne sois pas déçu. Ok. Salut. On peut regarder sous tous les angles, c'est vraiment du travail d'exception, rien d'étonnant venant de moi. Après tout, je ne suis pas la mondialement célèbre Gouttier. Oh, excuse-moi, serais-tu par hasard un admirateur de la grande Gouttier? Pourtant, je peux voir à ton expression que tu n'y connais rien à la mode. Vendeste est la seule enseigne au monde à distribuer la marque Gouttier. Grâce à ça, cette échoppe, que dis-je, ce village est devenu un véritable temple de la haute couture. Est-ce que tu as sous les yeux? C'est le chapeau de Gouttier, mon dernier chef-d'œuvre en date et le meilleur à ce jour. Regarde ses courbes pleines de charme et sa couleur envoûtante. N'est-il pas somptueux? C'est une pièce unique en son genre, elle est inestimable, je ne pourrai jamais la vendre. J'ai décidé de l'offrir à quelqu'un que j'estimais digne de le porter. Je la réserve à la personne la plus extraordinaire de la capitale de la mode d'Hyrule. Qui que cela puisse être. Et à quoi ça pourrait bien servir? Je te le demande. Ce n'est pas l'avenir que je souhaite donner au village. Tiens, tiens, regardez qui voilà. Ne serait-ce pas Baldine, notre bon maire du village d'Ilmite?
Dimit, oui, pardon, que puis-je pour toi? Désolé, j'ai essayé de l'empêcher d'entrer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Goutier, combien de fois il faut te le répéter? Tu vas arrêter de traîner tes bizarreries partout dans le village. À cause de toi, la nuit est claire comme en plein jour et ça perturbe la croissance des légumes. Ces mêmes légumes qui font la réputation de notre village. Qu'est-ce qu'on va devenir s'ils dépérissent? Allons, allons, ne t'énerve pas comme ça. D'autant que tout le monde ne partage pas ton avis au village. On ferait mieux d'en discuter tranquillement. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Clévia. S'il continue comme ça, on pourra dire adieu à notre village. C'est mon devoir de protéger le village, ne l'oublie pas. Protéger le village? Allons donc. A mon avis, qui a su ramener un peu de vie et de l'activité ici? Le village des limites est paisible et autonome, voilà tout. C'est ce qui le rend si spécial. Très bien, nous avons qu'à laisser les villageois décider. Entre ma façon de faire avant-gardise et la vision dépassée et conservatrice du chef du village, nous verrons bien ce qu'ils choisiront. Si on organise des élections... Des élections? Bien d'accord, si tu veux. De toute façon, je l'emporterai, ça ne fait aucun doute. Sephora, c'est toi qui t'occupe de tout organiser. Quoi? Mais j'ai rien demandé, moi. Clévia, nous n'avons plus rien à faire ici, rentrons à la maison. Oh, encore toi. J'ai beaucoup à faire pour l'élection de chef du village. Tant qu'on y est, tu peux peut-être me dire pour qui comptes-tu voter? Je ne vote pas. Ah bon? Si l'issue d'élection ne t'intéresse pas, disons qu'à partir de maintenant, tu soutiens Goutier. Pas la peine d'en discuter pendant une heure. Je vais l'emporter, c'est l'évidence même. Enfin, Baldin a quand même quelques parties dans le village, je dois les ramener à la raison. Et donc, j'ai décidé de leur donner des champignons. Quand on pense Goutier, la première chose qui vient à l'esprit... Désolé, Charlex, je vais devoir y aller, je te souhaite une bonne suite de live. À la prochaine, des bisous. C'est le champignon, n'est-ce pas? S'ils mangent les champignons, ils seront délivrés de leurs idées dépassées, habités par le style de Goutier. Mais avec Sephora qui doit s'occuper de la boutique, alors je dois confier cette mission à quelqu'un d'autre. Je dois y aller. C'est vrai, tu ferais ça pour moi? Super, alors prends ça. D'accord. Tu donnes ce champignon aux partisans de Baldin, tu le reconnaîtras. Ils ont leur sens de l'esthétique déplorable. Mes partisans à moi ont du style, ils portent tous ma marque. On n'en donne pas aux membres de la famille de Baldin. Ça me semble évident, mais je te dis quand même au cas où. Ah, et aussi, pas la peine d'en donner aux enfants, voyageurs ou aux gens qui ne sont que de passage ici. D'après mes estimations, ça devrait porter le nombre de partisans de Baldin à 8. Ta mission, si tu acceptes, donner un champignon à chacun de ces personnes. Allez au boulot maintenant. Salut. Hihihihi, bienvenue à toi pour une autre. Une vie autant couleur, tu vas au bon endroit. Ici, c'est la teinturerie Love en notre devise la suivante, rafraîchir les couleurs, rafraîchir le cœur. Cher client, si tu possèdes des matériaux de coloration nécessaires, je teins tes vêtements à la couleur de ton choix. Et ce, pour une somme modique. Tiens, dis donc, c'est une jouette paravoile que tu as là. Depuis peu, on propose un service de renouvellement de tissu. Si tu m'apportes une étoffe, je peux remplacer le tissu de ta paravoile. Cela devrait lui donner un style d'enfer. Pas besoin d'être un habitué pour faire appel à notre nouveau service. Tiens, comme tu es un nouveau client, je vais même te faire un petit cadeau. Je sais que tu connais les boutiques de vêtements devant à l'est, à l'entrée du village. Devant d'est, à l'entrée du village. Mais cette étoffe a été créée par Goutier, rien que ça. C'est une célèbre styliste, tu sais. Le royaume d'Hyrule regorge d'étoffes aux motifs uniques et typiques de leur région. Ça devrait te plaire. Si tu trouves une nouvelle pièce de tissu, pense à moi surtout. Je pourrais rénover ta paravoile avec. Ça te donnera un sacré style quand tu planes dans les airs. Je veux rénover ma paravoile. Ah voilà. On peut faire des trucs avec du flow. Alors soit on a la version de base, la version rétro. La tissu de gazette des bois. Divinity Kid ou Goutier. Bon, en fait, je m'en fous. Ouais, je le dis aussi, alors. Ok, on va prendre ce truc pour pouvoir stepper ici. Hop là. On va aller prendre la tour qui permet de débloquer la région et je pense qu'on va arrêter là. Et la prochaine fois, on ira chez les Gerudo chercher le dernier sage, hein, globalement.
La forme qui prélève. Speedrun. Allez hop. Ah, c'est tout ? Oh, c'était facile. Bon, je trouve plus d'endroit où améliorer mon perso. J'ai du chocolat sur le bras. Parce que là, je suis à 9 lueurs bienfaisantes, mais les gars... laissez-moi m'améliorer. Elle est où la Decilia là-haut ? Ok. Bon, allez, vous l'êtes décidé. Et elle installe super loin sa tour, punaise. Elle m'embête. Hein. Son labo, il est juste là, la meuf. Gang de poules. Plage. En face. On va aller voir, peut-être qu'au laboratoire il y a un truc. C'est une ruine le bail. Hein. Je suis parti au fort de guet devant le château d'Hyrule. Paras. C'est vrai. Oh la vache, tout ce qu'on doit faire comme chemin. Allez, hein. Parti.
C'est loin? Ah, quand même, hein. Il suffit. Parle loup là. Au lieu de m'embêter. Ça va, on est pas loin. Oh, y'a un dragon. Mais c'est pas de la Zelda, c'est un autre dragon ça. Salut. C'est stylé ça. Peut-être qu'un amalgame, ce sera balèze. Tu m'attaques à lui. Peut-être qu'un amalgame, il sera bien ce truc. Un canon à droite, c'était rigolo. C'est assez stylé cet endroit. La musique est très cool aussi. Hein. Oh, j'aime trop. Je trouve ça trop stylé. Venaison divine. Ah ouais, carrément. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a fait trop mal. M'a tué. Il m'a gelé. M'a gelé à mort. J'espère que je repars pas trop loin. Parce que sinon ça va être relou. Oh vas-y. Oh mais vas-y quoi. Je les avais battus. Mais wesh. Bon. Faut qu'on monte en haut de cette montagne. C'est très important.
Ça nous permettra de, d'avoir la carte, hein, tout simplement. C'est une raison suffisante, je pense. C'est vraiment une rencontre aléatoire, le boss. Le mob, hein, le boss. Ici. Ok. Je parle pas au soufi, moi je vais le mettre. Mais lâchez-moi! Et il frappe pas même l'épée de légende. Hein. Il va y avoir un fantôme de Ganon. Ah ouais. Où ça? Ah ouais, putain, je m'y attendais pas. Donne-moi un truc un peu fort. Non, ça c'est bien. Yo. Ok. Je m'y attendais pas à cette attaque. Ok. Ouais, donc à chaque fois que tu vois les mains, il y a un fantôme de Ganon dans les parages. Eh bien, on va garder la Master Sword pour Ganon. Hein. Globalement. Comme là, on a la place pour se battre, on va quand même faire des trucs. Putain, je m'attendais pas. Genre, c'est vraiment un endroit random, quoi. Ouais. J'ai pas de bombe sur moi. C'est pas grave. Super. Tu peux cibler peut-être? Merci. Ah, il me faut les tenues anti-miasme pour faire ça. Ce combat là il est pas viable tant que j'ai pas la tenue anti-miasme en fait. Je sais qu'elle existe. Donc on va l'esquiver. Il me faut vraiment la tenue où je peux plus avoir les miasmes, quoi. C'est soit la tenue, soit que je fabrique des... J'ai le truc pour plus avoir les miasmes, mais il faut que je le cuine. C'est le souci. Donc on va esquiver ce combat, on va courir. On va grimper, même. On va se faire chier. Voilà, le cœur, on sait que c'est là où il y a les mecs de Ganon.
Où est le fantôme de Ganon? Non, mais cassez-vous. Au pire, cassez-vous. Super. C'est plus ce qu'il me fallait. C'est exactement ce qu'il me fallait, hein. La statue de la déesse de la source de la sagesse s'inquiète de ne plus sentir la présence de la statue matriarche qui repose dans une profonde gorge et vous a demandé d'aller quérir de ses nouvelles. Il serait judicieux d'accéder à cette requête si vous le pouvez. Bizarre. Salut, c'est moi, Bergin, chasseur de trésors qui trace les plaines enneigées. Sur ces terres solitaires, il règne un froid glacial et les monstres grouillent. Très peu d'entre eux, très peu sont ceux qui sont aussi aventurés. C'est justement pour ça qu'elles doivent dissimuler une myriade de trésors que personne n'a encore trouvé. C'est en suivant ce raisonnement que je suis revenu, et je t'avoue que je ne m'attendais pas du tout à tomber sur quelqu'un. J'imagine que tu es un collègue, et dans ce cas, tu dois vouloir des informations chez le trésor, non? Pour tout te dire, en venant ici, j'ai eu la chance d'entendre une légende au sujet d'un trésor de cette montagne. Mon intuition ne m'a pas trompé, il s'agit bien des trésors sur la montagne de l'Anel. Est-ce que toi aussi tu veux entendre cette légende? Très bien, alors je vais te la révéler. Je suis Bergin, le chasseur de trésors qui n'a rien à cacher. Voilà ce que dit la légende. De la source haut, dont les cieux glissent sur la neige de la montagne terrestre. Traverse tous les anneaux de lumière et leur lueur bienfaisante se représentera à toi. Qu'est-ce que tu en dis? C'était la légende du trésor qui se transmet sur cette montagne. Et avec un nom comme lueur bienfaisante, ça doit être un trésor vraiment extraordinaire. La source haut du ciel, ça doit être celle-ci. Le trésor est à portée de main. Enfin, pour l'instant, je n'ai toujours rien trouvé. Et puis, je vais bien passer à travers des anneaux de lumière, mais il faudrait déjà que je les trouve. Mais je n'abandonnerai pas, parce que je suis Bergin, le chasseur de trésor qui n'abandonne jamais. Ok. Plus on avance, plus on a des quêtes, moins je comprends comment résoudre les quêtes. Hein. Et plus je me dis que le jeu il est géant. Vous inquiétez pas, bientôt j'ai les vacances. Pendant les vacances, on torchera les streams. On fera des streams tous les jours pendant 8 heures. On avancera dans Zelda, vous inquiétez pas. Bon, y'a rien à faire, c'est déjà ça. Ouh! Après ça, on arrête, hein. Oublie. Carte de la surface mise à jour. Carte du ciel mise à jour.
c'est quoi? Parfait. D'accord. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Non. C'est pas grave. On reviendra plus tard. Donc écoutez, on va se dire au revoir là. On va aller à notre maison. Voilà, on est arrivé, on a bien avancé. On a récupéré un sage. On a beaucoup d'avancé en termes de map. Hein. Et quand même, on a presque fini de tout avoir comme pan de map. Donc écoutez, on va sauvegarder. Hop. Et je vais vous souhaiter à tous. Une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine.